regardez là dans le couloir. Une créature nous barre la route. Ce n'est pas une créature, c'est un poulet. Ce n'est pas un poulet, c'est un coq. C'est l'enfoiré qui nous a réveillés ce matin. À mort ! Non, n'approchez pas ! Quoi ? C'est trop facile. Ce n'est certainement pas un coq ordinaire. Bah quoi, on s'en fout, on l'explose ? Non, elle a raison, c'est plutôt étrange. Je crois que c'est un changeur de forme. Un quoi ? Une créature qui prend l'apparence d'une autre. Tu t'approches d'un poulet et... tu te retrouves en face d'un monstre énorme. T'es vachement négatif quand même. On peut même pas buter un poulet tranquille. Il faudrait s'assurer que c'est une volaille normale. Et je pourrais lui tirer des flèches. Bonne idée. Vas-y. Mais t'as aucune chance de le toucher. Je vais essayer. Mince. Oh non, je l'ai raté. Quelle surprise. J'essaye encore. Vas-y. Oh là là. T'es passé à 2 mètres. Je commence à croire que le nain a raison. C'est ça. Dites que j'ai pas de talent. C'est exactement ce que je dis. Eh ben j'essaye encore, vous allez voir. Allons bon. Eh oh, mais il arrête pas de bouger. T'es vraiment nul. Bon, je vais régler son compte à ce poulet, moi. J'arrive. Ce n'est pas très prudent. C'est de l'inconscience. Poulet, viens par ici. Piou, piou, piou. Vas-y, chope. On dirait qu'elle est normale, cette bestiole. Il va se transformer, tu vas voir. Il est mort. Ah zut. Quand je pense que j'ai cru à tes conneries. Ouais, on peut se tromper, hein. Ouais, ça t'arrive un peu trop souvent. Voilà, on a un casse-croûte pour ce soir. Bon, qui va ouvrir la deuxième porte? Je vais voir à quoi elle ressemble. Écartez-vous, si jamais ça explose encore... On va pas être nombreux à se partager les 8000 pièces d'or. C'est bien de se sentir soutenu. Mais on a qu'à faire attention. Bon alors, tu l'ouvres la porte? On s'ennuie. Ouais, 2 secondes, hein. Bon alors, la porte a une poignée et pas de serrure. Fais gaffe, elle va se transformer en poulet. Oh, t'es con toi. C'est une porte en bois, faite de planches, ajustée et clouée avec une grande précision. Elle est piégée ou pas? Attendez, bon, à l'œil nu, on voit rien là, mais... Tourne la poignée. C'est pas si simple. Ben si, tu mets ta main sur la poignée et tu tournes. Je crois que tu as peur. Moi? Peur d'une porte? Elle est bien bonne. Alors, ouvre-la. Je prépare mon arc. Je vous ai pas raconté l'histoire du mec qui rencontre un minotaure et... On s'en fout. Bon, au fait, on n'a pas regardé si ma bague était magique. La porte. Ouais, voilà, bon. Bah j'ouvre. Quand même. Alors? Ouais, très drôle. Il y a quelque chose alors? Oh, merde. Qu'est-ce que tu vois? Il y a 2 balais et un seau dans un placard.